Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo FPV de la chaîne. Aujourd'hui on va parler drone FPV et on va faire du drone FPV. Et pour ceux qui voient pas de quoi on parle, aujourd'hui on va parler de ça. Donc rapidement, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du drone FPV, même si je pense que vous avez forcément vu des images qui ont tourné sur internet à un moment ou à un autre, que ce soit dans des vidéos de vélo, de moto, de... Maintenant on en voit partout, c'est un peu à la mode. Le drone FPV, donc c'est un drone quadricoptère, donc à 4 hélices, piloté en immersion. Donc c'est-à-dire que j'ai des lunettes qui me permettent de voir ce que voit la caméra du drone et du coup de piloter de manière ultra précise. Avant de continuer, je tiens à dire que je ne suis pas du tout professionnel là-dedans. Je vous fais découvrir la discipline, mais moi-même j'en apprends souvent. Donc si je dis des conneries, je m'en excuse et je vais essayer de pas en dire. Donc voilà, ces drones-là, contrairement à des drones plus connus comme DJI pour ne citer qu'eux, c'est pas un drone stabilisé, ça veut dire que si tu lâches les commandes, il tombe, ou du moins rapidement ça risque de partir en couille. C'est des drones donc, qui peuvent faire des loopings, etc. Enfin, y a vraiment très peu de limites dans le pilotage et ça va très vite. C'est-à-dire que là, le mien, j'ai déjà pris 180 km/h avec. Quoi dire de plus? Ça permet de faire des images de ouf. Donc, comme dit, vous en avez sûrement vu déjà dans des vidéos sport extrême. Moi, vous savez quoi, je vous mets quelques images de ce que moi j'ai déjà réalisé avec ce drone. Donc voilà, ça fait des images très très sympas. Après, faut savoir que c'est du matériel qui vaut cher, donc pour ceux qui veulent se lancer, renseignez-vous bien avant, parce qu'on se retrouve facilement avec un compte en banque en sueur. Hein. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez découvrir le FPV, c'est achetez-vous un simulateur, Liftoff par exemple, moi c'est celui que j'ai utilisé, vous branchez votre manette de Xbox, même pas besoin, ou de Xbox ou de PS4, hein. Même pas besoin d'avoir direct une radiocommande et vous essayez déjà voir, vous familiariser un peu, voir si ça vous plaît. Et puis ensuite, bah commencer, bah ça dépend de votre budget, hein. Si vous êtes jeune, bah un petit drone avec des petites lunettes pour voilà, bah, commencer à voler en immersion en vrai. Et puis bah si vous avez moyen, achetez-vous un drone plus gros, mais vraiment c'est une pratique. Moi j'ai commencé le FPV pour faire de belles images pour la vidéo et je pensais pas qu'à travers un écran on aurait autant de sensations. C'est vraiment dingue, je vais essayer à travers mes vidéos de vous faire découvrir ça. Donc aujourd'hui voilà, on discute un peu, on ira voler un peu ensuite, mais après bah voilà, j'essaierai soit de vous faire découvrir les différents aspects de ce milieu là. Donc il y a soit ce qui s'appelle le cinématique, donc c'est voler, faire de belles images, avec par exemple faire du chasing, donc c'est suivre des véhicules en mouvement, enfin voilà, il y a différentes possibilités. Il y a ceux qui font du freestyle, alors moi ça je sais très peu en faire, c'est une pratique qui ne m'intéresse pas trop mais qui reste hyper impressionnante, enfin voilà, on peut faire plein de choses avec. C'est quelque chose qui est lourd, qui va vite, vous pouvez facilement blesser quelqu'un. Je peux pas dire à vos risques et périls parce que si une erreur de pilotage ou une erreur d'électronique ou quoi, ça à 180 km/h ou même à 100 km/h, ça tombe dans la tronche de quelqu'un, je peux pas savoir à quoi va ressembler la personne. Si vous vous lancez là-dedans, faites super attention, renseignez-vous, pensez d'abord sécurité quand même. Voilà, moi en plus je mets la GoPro dessus pour faire des images. Parce que la caméra ici en fait, je vous montrerai, on voit pas hyper bien. Si vous voulez plus de renseignements, il y a des super chaînes qui existent pour vous renseigner là-dessus, ou des groupes Facebook, groupe Culture FPV par exemple, ou WeAre FPV. Moi c'est là-dessus que j'ai trouvé plein d'infos au début. Chaîne YouTube, il y a Airflex qui fait plein de tutos machin, si vous voulez vraiment en savoir plus, parce que c'est un hobby quand on se lance là-dedans. C'est compliqué au début, hein. Au début on est vraiment perdu parce qu'en électronique et tout, enfin voilà, c'est pas un truc où on peut avoir des drones tout prêts et prêts à voler, sauf qu'au bout d'un moment on casse des trucs et enfin faut s'y connaître, et au début on est un peu perdu, mais après c'est vraiment cool. Je vais arrêter de parler, je pense que je vais vous amener voler. Aujourd'hui on va faire un truc tranquille et puis voilà,
un peu à quoi ça ressemble. Allez, on va sortir. Bon voilà, je suis venu sur un spot que je connais bien. C'est là que quand je fais des réglages sur ma machine, je viens. Ou même des fois juste pour voler, pour m'entraîner, c'est sympa, il y a quelques arbres et tout, c'est assez grand, assez dégagé. Puis voilà, on peut tourner autour des arbres, faire des trucs sympas. On va juste faire attention, il y a quelques vaches, on évite de voler trop proche des animaux, surtout si on voit qu'ils sont très facilement apeurés. Bon, généralement les vaches elles s'en battent les couilles, mais bon j'évite de m'approcher, surtout qu'il y a de... Il y a de quoi faire. En vrai, je fais le mec qui fait sa petite intro avant de voler. Mais je suis déjà venu avant-hier. Et en fait, je refilme parce que j'ai planté le drone. Wow. Merde, j'ai touché un câble électrique. Et je l'ai planté avec la GoPro Hero 9. Je l'ai éclaté. Attendez, je crois que je l'ai ici. Et je suis deg parce qu'en fait le choc était tellement violent que voilà, la GoPro elle est HS. Donc on va revoler. En fait, ouais, ce qui s'est passé quand j'ai crashé avec l'Aero 9, c'est que j'avais fait tout le vol, tout s'était super bien passé. Et juste avant de me poser, je me dis que je vais faire un petit move comme ça au-dessus de moi. Et en fait, vu que j'ai volé un peu en arrière, j'ai pas vu, mais il y avait une ligne électrique que j'ai oubliée juste au-dessus de moi. Et le drone l'a touché, il s'est mis à tourner et j'ai pas pu le récupérer. Il s'est écrasé au sol, donc le drone n'avait rien, il y avait juste quelques hélices tordues. Et la GoPro, vraiment impossible de récupérer la vidéo. La GoPro. Niette, elle est genre même un peu tordue, j'ai du mal à sortir la batterie et impossible de récupérer la vidéo, je suis dégoûté, je voulais au moins voir le crash quoi, et en plus le vol était cool, donc c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui pour filmer. Mais l'Aero 9 c'est cool parce que GoPro, en fait j'avais souscrit à l'abonnement en GoPro qui fait que j'ai le droit à deux GoPro de remplacement par an, peu importe la raison de la casse. Donc là elle va partir chez GoPro en remplacement début de semaine prochaine, mais j'ai toujours une Hero 6 au cas où. J'ai hésité à la vendre et je me suis dit, quand je fais des tournages et tout, si jamais j'en pète une, au moins j'en ai une de secours. Du coup, bah, on va voler. Donc, bien sûr, on a la radiocommande qui sert à contrôler le drone et les lunettes. Bon, c'est pas des lunettes haut de gamme, hein, mais je vais bientôt changer tout mon matos, donc je vous montrerai. Mais ça fait très bien le taf et ça permet que bah, quand on vole, on voit ce que voit le drone. Sachant que je précise, je sais pas si je l'ai dit dans l'intro de la vidéo ou quoi, mais en fait, moi je vois à travers cette caméra et la GoPro n'est là que pour filmer. Donc en premier, on allume la radio. Elle parle beaucoup. Switch warning. Donc une fois qu'on a allumé la radio, on peut allumer le drone. Et ensuite, on allume les lunettes. Alors ce que je vais faire pour que vous voyez un peu la radio. Ah bah voilà, là c'est bien. Ok, bon, on va pouvoir y aller. J'ai posé le drone dans l'herbe. Ok, ça me paraît pas mal. Alors oui, on a l'air un peu con avec les lunettes, mais c'est comme ça. Hein. On va pouvoir y aller. Bon là, je coupe un peu l'herbe, mais... Donc voilà, on est en l'air. Et ça, c'est le drone FPV. Donc voilà, on peut... Moi, la comparaison que je fais, c'est on a l'impression d'être dans les yeux d'un oiseau. Bon, sauf qu'un oiseau, ça fait pas ça. Et du coup voilà, je vous laisse deviner qu'avec un engin qui fait des mouvements pareils et qui va à cette vitesse, il y a moyen de faire des choses très très sympas. Donc il y en a qui font du freestyle, il y en a qui font du freeride, il y en a qui font du chasing. Bon ça j'ai déjà fait le chasing, c'est suivre un véhicule en mouvement, enfin généralement un véhicule, hein. Après bon, vélo compris. On va faire gaffe à la ligne électrique, hein. Pas deux fois. C'est celle-là là que je me suis pris hier. Et puis voilà, hein. Donc, je vous montrerai une petite accélération après. Voilà, nous on est là. C'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude de piloter debout. Ouh, j'étais pas loin là. Voilà. Ça va très très vite.
On va faire un petit rasmote. Ouais, là on voit l'ombre du drone en plus, c'est pas mal. Donc moi ce que j'aime, alors je fais pas beaucoup de freestyle, hein. Je sais faire quelques figures mais rien de fou. Mais moi j'aime bien voler le plus smooth possible. C'est quand même ce que les gens ils essayent de faire, hein. Voler smooth, c'est l'objectif de tout pilote. Enfin, même si peut-être que les pilotes de race s'en foutent en fait. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pas une grande connaissance dans le drone FPV. Il y a un tracteur là-bas, je vais essayer de pas trop déranger l'agriculteur. Parce que lui il travaille. Wouhou! Oh, j'étais pas loin du sol là quand même. Bon voilà, de temps en temps je viens là pour m'entraîner, même si voilà, moi quand je filme généralement c'est pour faire des images de paysage ou suivre quelqu'un, mais c'est toujours intéressant de savoir piloter, déjà parce qu'en vrai il y a des sensations, vous avez même pas idée. Vraiment au début j'ai commencé le drone FPV pour faire de belles images et je pensais pas qu'il y avait autant des sensations de pilotage. Et puis alors, j'ai plus beaucoup de batterie, cette batterie était pas chargée à fond, je vais me reposer. Et ouais, il y a vraiment des sensations de pilotage vraiment excellentes. Atterrissage un peu sec. Et oui, même si on veut faire que du cinématique, du fluide, c'est toujours intéressant de savoir faire un peu de freestyle. Parce que dans tous les cas, un jour, on va voler en forêt pour suivre quelqu'un. Et il va falloir savoir contrôler son drone de manière efficace pour éviter un obstacle qui n'était pas prévu. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir bien contrôler sa machine. Voilà, donc là, j'ai fait vraiment rapidement un petit tour du spot. On va, je pense, aller sur un autre spot, filmer en forêt. Alors là, c'est pas dit que je me plante pas, parce qu'à chaque fois que j'ai volé dans une forêt, en essayant d'attaquer un peu, j'ai planté le drone. Et voilà. On est là pour vous faire découvrir les risques. Mais ouais, faut savoir que voilà, c'est un sport qui coûte cher. Parce que bah voilà, hier j'ai crashé avec la GoPro. La GoPro était dead, si j'avais pas l'assurance, ça m'aurait coûté une GoPro. Et ça peut arriver de péter un moteur, péter un bras de drone. Enfin voilà, c'est... Bon allez, on va aller sur le spot numéro 2 pour essayer de vous montrer autre chose. Donc voilà, deuxième spot. J'ai trouvé une forêt plutôt sympa. Vraiment, même vraiment chouette. En fait, j'étais jamais venu ici. Bah on va essayer de voler là-dedans. Donc pas du tout le même style de vol. Là, il y a des obstacles partout. Il y a des petites branches qui peuvent toucher les hélices. Et à tout moment, mettre ton drone au sol partout. Sachant que tu ne vois... Je vais pas dire tu vois rien, mais si, tu vois rien. Les petites branches et tout, pff, tu vois que dalle. Je ne garantis absolument pas que mon drone ne va pas finir au sol. Mais bon, vous, bien sûr, ça vous plaît, hein, ça, quand il y a des crashs. Donc, ouais, bah, on va essayer de voler ici. En tout cas, le spot est vraiment, vraiment beau. Il y a beaucoup d'arbres, par contre. Hein. Donc, au début, on va voler tranquille, puis on va accélérer un peu. Et puis, on va crasher, et puis ce sera sympa. Voilà, je vous aurais fait découvrir le sport sous tous ses angles. Enfin, tous ses angles, non, parce qu'après, je vous ai dit, il y a plein de pratiques possibles. On va y aller tranquille, petit à petit. Ça, tu vois, typiquement, ce genre de branche-là, c'est l'ennemi numéro 1 de ton drone en forêt. Ok. On est parti. Donc, comme dit, là, pour l'instant, je vais voler tranquille. Là, je vois des petites branches de partout. Ah bah, j'en ai touché. Ça va tellement vite.
pas comment j'ai fait pour pas cracher. Ouais, le soleil, je vois rien. Je vais pas me prendre le drone dans la tronche, je vais toucher une branche. Wow! Ah! Bah c'était elle. Voilà. Non, c'était cool, mais ouais, j'ai essayé un truc et je me suis planté. Donc là, un truc qui est bien, c'est que ça bip et je sais où est-ce qu'il est. On va aller le chercher. Et le voici. Bon, je crois qu'il a rien. Bon, de toute façon, c'est résistant comme drone, hein. Vraiment, c'est très résistant. Bon voilà, c'était une fin de session, bon c'était quand même cool, c'était une vague aperçue de ce que peut offrir le FPV, les possibilités sont infinies, il y a des mecs qui suivent des F1, qui volent autour des montgolfières, c'est vraiment une discipline incroyable et que ce soit, enfin ce qui est fou c'est que c'est hyper varié, si vous voulez vous lancer dedans réfléchissez bien parce que ça coûte de l'argent, c'est quelque chose qui demande du temps, de l'investissement, et puis après si vous voulez vous lancer là-dedans, franchement vous allez juste kiffer. Et moi comme je l'ai dit, je suis débutant, donc si vous avez des questions, posez-les moi, mais ça risque d'être compliqué. Je vous mettrai en description les chaînes qui m'ont vraiment servi, et puis voilà, la prochaine fois on ira sûrement voler dans les montagnes ou autre. Je pense que ça va être cool. Voilà, c'était William pour RS Bike, et puis je vous souhaite un bon ride, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! This is my time, I'm a long journey.